Bonjour chers internautes, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et merci à vous passionnés du cinéma de vous intéresser sur cette vidéo à Lady Bloodfight, un film sorti directement en DVD, pas par la case cinéma, sorti le 7 février 2018, un film d'1 h 40 de Chris Nolan, tout simplement le réalisateur du Baiser mortel du dragon et l'Empire des loups, donc un petit francophone, avec Amy Johnston, un film d'action, et ses deux nationalités hongkongaises. Le scénario du film, sans trop spoiler comme d'habitude, donc des champions d'arts martiaux vont s'affronter dans un tournoi appelé le Kumite. Alors si ça vous dit quelque chose, ben, tout simplement ça pourrait être un Bloodsport 2, ce fameux film, et il n'est pas du tout honteux, les combats sont plutôt bien faits, les acteurs font plutôt bien leur taf et sont plutôt assez souples et à l'aise dans les différents combats. On peut retrouver la capoeira et ainsi que du karaté, du kung-fu et bien sûr du taekwondo. Le scénario est plutôt simple mais efficace. On aime les films d'arts martiaux, ben c'est un scénario qu'on doit kiffer, surtout si vous êtes fan des kickboxers. On va suivre plusieurs héroïnes dans ce film, donc on n'aura pas qu'une héroïne, mais on en aura deux avec des objectifs bien différents. Quelques points faibles au niveau scénaristique tout de même vers la fin du film, des petits rebondissements qu'on s'attendait, mais bon, ça dérange pas, le film est très plaisant à regarder. Évidemment, il y a des références à tout film d'arts martiaux, genre le bitmap qu'on peut apprécier dans une des scènes d'action et qui était tiré de Bloodsport. Bon, bref, vous l'avez compris, ce film, je l'ai bien aimé. Plutôt un petit film sans prétention et très sympathique à regarder. Donc, je vous le conseille, celui-là, une bonne petite surprise. Sugar free.